Le mineur, tu vas t'occuper du coffre. Le trouveur, tu t'occupes de faire les trous. Toi, le dépositaire, tu déposes. Puis moi, le cerveau, je prends tout. C'est bon? OK. Fait que ici, on a toutes les données. Hein? Ça, c'est pour toi. OK. OK. Puis, comment ça a l'air? Je vais amener mon AK-47. C'est pas là. Pour être sûr, parce qu'il va y avoir au moins deux gardes. J'estime que leurs noms, Roger puis Jacques, vont avoir à peu près 63 et 67 ans et demi. Oui, dynamite. Ouais, pas de problème. Écoute, moi j'ai pensé peut-être faire ça avant que ça soit ouvert. Là, je m'arrange puis. Ah, wow, 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 tu gâches tout le fun s'il y a personne là. Hein? Mais le risque, on. Moi, sérieux, j'avais checké. Ouais. Je fais un trou ici. Ouais. Et une dynamite. Le coffre, quand on est rendu là, passe. Je sers plus à rien. J'ai peur avec mon AK-47. Je me suis pas fait tenir ça sur eBay pour rien, là. Occupation simple. Waouh! 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 Occupation simple. S'il aime les chats, je vais voter pour lui. Bonjour, Capitaine Bob Schneider du Miranda. Prochaine escouade à s'en aller dans l'espace vers la station Mir. Juste un petit moment pour vous parler. Biscuit breton. Biscuit officiel de notre équipage. Car vous savez, dans l'espace, des fois, on a des petits problèmes de fibres. Et ce qu'ils nous donnent en poudre, c'est pas assez pour faire chier tout l'équipage. Avec ça, il y a assez de fibres pour faire chier des Russes, des Américains, des Chinois, puis même des Australiens s'il y aurait le cash pour faire un programme spatial. Pour tout de suite, ça va arriver. En tout cas, moi, je pense que mon moment arrive. Parce que, là, je suis dans le volant, hein? Puis, en mangeant ces biscuits-là, ben justement, je suis juste à côté de la toilette de l'équipage. Fait que, on s'envoie sur la plateforme. Mais qu'est-ce qui se passe? Salut, toi. Tu sais, je suis dans la misère à m'exprimer. Je trouve une solution, tu sais. Tu peux soit écrire, soit parler. Mais si t'es pas capable de parler puis d'écrire, ben, fais comme moi. Exprime-toi avec tes mains. Je vais vous conter l'histoire qui m'est arrivée en fin de semaine. J'étais dans le centre-ville, puis j'ai fait une rencontre bien spéciale. D'où est-ce qu'ils viennent? Qui est ça? Les robineux! Les robineux! D'où est-ce qu'ils viennent? Les robineux! Les robineux! En tout cas, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, là, mais ça, c'était un petit flash écœurant. T'écris donc bien mal, voyons! Ah ouais, je sais, j'écris ton petit cul de 10 ans, si, ça n'a pas d'allure. Ben, tu vois. T'as pas essayé d'écrire de l'autre main, juste. Juste comme ça, là, juste voir. Ah ben, calais, je suis gaucher. Fait qu'on a le plan, là. Là, demain, on se rejoint à quelle heure, pis à quel resto avant? Comment ça, au resto? Non, non, non. Là, si vous allez au restaurant, sans moi, je ne vais pas me sentir vraiment dans... Ben, tu restes pas dans le char. Mais non, reste pas dans le char, prends un café, viens. Prends tu viens avec nous autres, tu lis le journal, Asti. Là, demain, on se rencontre tous à 6h-15. Hop, 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 6h-15, ce sera pas possible. J'ai 11h, 11h30. 11h30? À peu près, moi, j'ai un gros party la veille. Je fais un party pour fêter le vol de banque, parce que s'il marche pas le vol de banque, je peux jamais faire de party pour le fêter le vol de banque. Ok, ok. Mais admettons, tu fais ton gros party, là. Pendant ton gros party, tu te saoules bien raide, puis le lendemain, t'as un mal de bloc, là. Puis là, tu fais tes trous, tu te croches, là, toi. C'est ça qu'on veut, 11h30. C'est ça. Moi, je dirais midi. Hello. Hello. Comment t'apprécies ta nouvelle vie? Ah, ben, c'est de même.
m'a dit, mon tabarnak! T'es au coup, toi, les stars, collés comme Elvis Presley! Il est pas facile, il fait du karaté! Charlie Chaplin, il se promène tout le temps de même de côté! James Brown! C'est vraiment n'importe quoi, non? Non, c'est pas grave, fucking talking English! Fucking French! Fucking shit! Ok, mais on peut faire lâche ça, là. Parce que les gars, Pierre Falardeau, ils sont vraiment intelligents, là. Hey, dernière chance, c'est si moi, exact. Ça tourne, tu croches. Non, mais... Attends, attends, Guillaume! Attends, je suis capable. Non, mais Guillaume, viens! On va avoir besoin de quelqu'un dans l'assistance, là. Pierre, je voulais t'appeler Pipi. Alors, tu peux vraiment faire ton numéro avec. Parce que j'ai pas de numéro avec quelqu'un, moi. C'est... Je pensais que c'était toi qui avais un numéro avec quelqu'un. Non, non, je pense pas.